Damn, girl. 21h23h. La libre antenne. X-Zone. Sur Renzouï Radio. Bah, si, bien sûr, il y a un film qui va sortir, un film d'horreur dont je vais être dans les premiers rôles. Ah oui, c'est vrai, il y a le film d'horreur aussi. D'ailleurs, tu nous avais parlé à ton dernière interview qu'on avait eue ici. Voilà, donc film d'horreur que j'ai tourné cet été et qui sera bientôt prêt à être présenté. Il y aura une avant-première à Paris et il sera distribué dans toute la France et notamment il passera dans quelques cinémas français et parisiens et voilà quoi. Enfin, et aussi enfin, dans toute la France en fait. D'accord, ok. Et bien sûr en Belgique et au Luxembourg évidemment. Oui, et surtout en Suisse parce que le film est suisse. Et là pour cette. Il y a aussi Antoine 18 qui dit parfait, j'adore les films d'horreur. Et bah tant mieux. Voilà, tu pourras voir Cindy. Ah bah alors là, il va être servi parce que je sais pas si vous aimez Saw, mais Mélo l'aime bien. Mélo. Le sanguinaire de Saw se retrouve dans ce film. Et en fait, dans ce, j'incarne encore une méchante dans ce film-là. J'ai envie de dire, ça me poursuit. Ouais, ça te poursuit. Mais beaucoup moins drôle quand même parce que j'incarne une psychopathe complètement caractérielle. Bon, ça on le sait, je suis caractérielle, mais elle est vraiment sadique, c'est-à-dire qu'elle prend du plaisir à torturer les gens. Ce qui, j'avoue, fait un peu mon cas de temps en temps, mais dans d'autres domaines. Mais là, c'est très très sanglant le film d'horreur, donc c'est un film qui est pas réservé, enfin, qui est pas ouvert à toutes sortes de publics. C'est il y a beaucoup de sang, de à un moment je coupe le bras d'une fille, de quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un qui ouais, c'est... Enfin, il y a des boyaux qui sortent, qui machin, enfin bref. Oula. Je vous laisserai découvrir ce film qui est d'un style bien particulier, un film qui s'appelle Séquelles, hein, qui sortira au courant avril pour le moment du Festival de Cannes et qui sera présenté d'ailleurs là-bas. Et voilà quoi, donc je pense que pour le coup, il faut vraiment être fan de ce genre de film. Hein. Ouais, c'est vrai, oui. C'est un film gore en fait. Ouais, là, c'est un film gore, c'est ça. Ouais. C'est un film ultra gore. J'adore les films gore. Le sang qui gicle, quel bonheur. Sans, je me sens. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, je me sens très proche de la famille Adams de temps en temps. Donc, je l'embrasse. Il s'appelle Jean-Clément Gunther et j'embrasse très fort et j'avoue qu'il m'a bien fait rire quand même sur ce tournage. J'ai pris un plaisir immense à côtoyer tous ces petits Suisses, comme je les appelais, parce que tous les comédiens étaient Suisses. Donc j'embrasse bien sûr tous mes petits Suisses. La libre antenne X-Zone sur Renzouï Radio.